Ladies and gentlemen, ou plutôt mesdames et messieurs, c'est donc reparti pour la game 2. Lilbo qui s'est imposé sur la première game. Nous avons donc en bas, à gauche de la map, un joueur qui est mené pour le moment, mais c'est un BO7. Ce n'est pas très très grave, il représente la team Millennium. Il est terrain, il est bleu, il a des supporters, il s'appelle Daichi. Et faites du bruit pour Daichi, il en a besoin. En haut à droite de la map sur Yonsu, en Protoss rouge. Eh ouais mon gars, rouge. La révélation, l'homme qui apportera l'équilibre dans la force d'ailleurs. Il s'agit de Lilbo, et eh oui. Lilbo, eh oui. Mes amis, qui mène 1-0. Lilbo qui mène et qui du coup doit sentir la pression s'évacuer un petit peu pour ce match décisif à nos. On rappelle qu'il y a quand même 300 pour le premier, 2-0 quand même en BO7 pour le second. Il est vrai. Et surtout voilà le fait de jouer devant une salle quand même remplie et partisane qui fait que voilà, il sait qu'il y a des fans dans la salle. Clairement. Il sait qu'il y a des gens qui comptent sur lui et il a pas envie de décevoir, c'est normal. Le gaz qui est posé par Daisho, ouais. Daisho et une gate. Départ Reaper ici. Une gate poly pour l'instant in base. Des départs standard pour le moment. On verra s'il y a un deuxième gaz rapide ou pas pour Lilbo. Vous le savez, c'est un BO7. BO7, ça veut dire que c'est le premier qui arrive à 4 victoires. Alors, faut pas croire, mais dès qu'on rentre dans, plus les BO, on va dire, sont prononcés, et plus la psychologie, du coup, est prononcée aussi. Et donc, faut comprendre ça, d'ailleurs, ça peut être comparé, je trouve, avec ceux qui aiment bien le tennis et qui regardent les matchs comme Roland Garros, qui sont le grand chelem, donc c'est 5-7. Et c'est 3-7 gagnants, ça joue beaucoup sur le psychologique. Donc là, gagner la première game, c'est toujours bon pour le psychologique. Et mine de rien, la deuxième game, après, est très important pour celui qui a perdu la première. Parce que si tu perds la deuxième, faut bien se rendre compte et se mettre dans le cerveau du perdant. T'es mené 2-0. Donc quoi qu'il se passe derrière, t'es limite obligé de faire 4-0. Ouais. T'as droit limite qu'au 4-1, quoi. Ça veut dire que non seulement t'es au fond psychologiquement parce que t'as rien qui passe, mais en plus, dans ton optique finale, tu dois réussir derrière à tellement bien retourner la vapeur que tu dois réussir à en mettre 4, quoi. C'est pour ça que là, c'est quand même une game qui est très importante et qui va influencer un premier pas dans la psychologie des joueurs. Regarde encore, j'aime bien, je trouve il joue avec une certaine... comment on me disait quand j'étais jeune? Ah... C'est pas une désinvolture, mais il a un petit côté je m'en fous pendant qu'il joue, qui me fait plutôt marrer. Du coup, le scout de Daichi. Tu t'en battais les couilles, toi, Nos, quand t'étais petit, c'est ça? La nonchalance un peu. Oh, je sais plus, mais il y a un mot qui ressortait par mes profs. Mais je sais plus c'était quoi exactement. Mais c'était pas un truc bien méchant, tu vois. Un rebelle. Ouais, c'est un petit côté rebelle, bon, standard. Du coup, le Zilot ici qui fait des allers-retours, il chauffe les jambes et que fait le Terran. Et ça part sur rapide. Eh, il refait le même BO, poulet. Rapide usine. C'est le même. Alors, c'est pas la même map. Des possibilités de dropper qui sont là. Après, ça reste une option qui est attendue de la part de Lilbo. Après, sur un move micro, sur un bon engagement, et ça va être duel Lyon. Ouais, c'est ça. Il varie, évidemment. Ça va être duel Lyon, Lilbo, qui n'a rien scouté pour le moment. Et normalement, on devrait avoir un spatioport derrière. Ou alors, il essaye de nous faire la spéciale Daichi, qui est, je crois, double réacteur dans ta gueule. Avec que des tourmenteurs, mon gars! Ah non, il triple CC, ok. Ah non, juste deux tourmenteurs. Alors peut-être qu'il veut faire croire qu'il va faire ça. On verra, mais en tout cas, la Daichi qui joue technique, dans le sens où, voilà, son BO a l'air d'être bien travaillé pour temporiser l'adversaire. Ouh, attention quand même, parce que le Zilot, du coup, il l'a pas tué, là. Il va falloir voler, Lilbo. Mais le Zilot va scouter, poulet. Ouais. Ouais, le Zilot qui rentre dans la base, qui va voir ici une unité. Deux Marines qui vont sortir, on va pouvoir voir la belle micro de Daichi. Voilà, il en a 4. Normalement, on n'en perd aucun. Un BCS qui est un Marine qui est down. Qui est tombé. Et la B2 de Lilbo qui est scouté par les Lions de Daisho. Et les 3 CC qui sont maintenant finis. Scouté. Et scoutés. C'est ça. Et donc là, normalement, ça ne devrait pas plaire du tout à Lilbo. Lilbo qui vient d'envoyer le Blink dans son conseil crépusculaire. Donc il va envoyer une grosse agression. C'est une bonne idée le Blink, hein. C'est une bonne idée pour essayer de sanctionner tout de suite ce qu'il a vu et de se dire non, là t'es parti trop macro, t'as pas le droit. Il revient sur un timing très très fort s'il part de base plus Blink Stalker.
Ça consiste un très très bon contre. En plus là, Daichi est vraiment loin du steam. Et clairement, pour le moment, à la fin de ce lap tech, il l'enverra. Et les trois prochaines gates qui sont avancées, on va passer un total de 5 gates. Mais ce que j'aime bien dans ce café, vraiment les mecs, c'est dommage que le Zilet ait scouté. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas scouté, Lilbo il aurait juste scouté deux tourmenteurs. Il se serait dit, forcément, il y a un Medivac qui va arriver derrière avec deux autres tourmenteurs, je vais me prendre des drops. Et au pire, c'est son BO full tourmenteur. Là, il a juste fait deux tourmenteurs pour le Brain. Mais comme le Zilet est rentré et a vu la triple facto, le triple CC, excusez-moi, il sait qu'il n'y a pas de spatio, il sait qu'il n'y a pas de possibilité d'attaque. Et il a même vu que la facto n'était plus sur le réacteur. Donc du coup, il fait exactement la chose à faire, aller attaquer, bien jouer la mine parce que là, il a scouté l'agressivité d'Aichi. Ouais, il a supprimé déjà un tiers des stalkers de son adversaire, après ça va warper. Et du coup, il a envoyé un sur l'ouest. Et le tank qui est envoyé, ouais. Ça joue bien, ça c'est et la ça preuve joue bien défensif. Que blink, hein. Et là, on va voir le bunker, on va avoir la défense à base de tank chez Daisho. Et le blink qui se finit d'ici encore, qui est fini, pas plus tard que maintenant. Et le blink offensif qui peut être lâché. Ouais, il risquait le positionnement du tank. Normalement, tu le mets à distance pour faire en sorte que quand le stalker monte dans la falaise, il puisse pas le toucher. Le premier force field qui est envoyé, une mine qui vient taper. Ah, et les bunkers qui est là en bas. Oh, mais il n'y a pas d'unité dedans. Pour le moment, il a pris cher Lilbo, les amis, pour zéro de dégâts. Il hésite. Où taper? Il faut récupérer du BCS. Il faut faire un truc. Daichi qui sort. Daichi qui supprime la sentry. Et Daichi qui défend quand même très très solidement cette première comme un vague. Prince. Ah ouais, très très bien fait. Très bonne lecture de jeu là d'avoir envoyé ce tank. Deuxième kill de la troisième kill. De la mine. De la mine. Hop là. Ah non, mais là. Il a attendu Lilbo. Hein. Ah, c'est bien joué. Et là, Daichi montre qu'il est solide sur l'agression comme la première game. Tout comme il peut tanker chez lui et défendre pour l'instant très bien. Il a eu surtout une bonne lecture de jeu parce qu'il faut comprendre que sortir un tank, ça veut dire redécaler son steam 10 minutes et d'une minute et tu l'avais dit toi-même déjà, le steam était super à la bourre. Là, le steam il lance que maintenant. Donc, si tu lances un tank quand t'es dans Daichi à ce stade, c'est que vraiment tu dois être sûr que le mec il veut te bourrer. Donc c'est vraiment très bien joué de sa part. Les stalkers ici qui essayent de maintenir pression parce que malheureusement pour Lilbo, bah là on a coupé un peu les probes, donc faudra essayer de faire mal. Et on fait un gros blink offensif qui va coûter très très cher. On a juste chopé un tank, on chope un bunker et quelques workers, peut-être le contrôle air qui va être activé maintenant. Trois workers en tout. Le nombre de 3. C'est power sit. Regardez en bas à droite de l'écran les amis. 2000 de pertes pour le proto, 784 pour Daichi. Daichi qui sort le skill et qui dit écoute-moi bien. J'ai déjà porté la couronne du roi, mon gars. C'est pas toi qui va venir me la prendre. J'aime ça. If you aim at the king, you'd better not miss. Et Daisho, du coup, qui va lancer les upgrades, qui va partir. Il va partir à l'aventure, hein, à l'aventure, mon compagnon, pour aller bourrer clairement sur les terres XMG. C'est ça. Le jeune Lilbo. L'impertinent Lilbo qui a osé tenter une agression parce que là au niveau des pertes. Oh, et regarde ce scan qui arrive pile poil au bon moment. 3 fois plus de pertes chez Lilbo sur ce coup-là. La bête est blessée. C'est ça. Et il y a la possibilité de l'achever pas plus tard que maintenant. Daichi qui reste en position défensive. Hein. Mais c'est ça qui est bien joué chez Lilbo. C'est que Lilbo là sait qu'il y a quand même un petit timing pour Daichi qui est compliqué à l'attaquer parce qu'il n'a pas encore de medivac. Il les a décalés, on l'a vu, pour plusieurs raisons, dont le tank en défensif. Il n'a pas encore le steam. Donc il sait qu'il a une petite fenêtre d'une minute, une minute trente. Et il en profite à bon escient pour se dire je vais gratter ma petite B3. Je me positionne ici, s'il force trop, je casserai ce rocher là. Donc encore une fois, Lilbo qui... Vraiment cette game qui est très intéressante en termes de brain, mon gars, et de decision making. Parce que les deux joueurs qui font vraiment des choix qui nullifient au dernier moment ceux de l'adversaire, c'est très bien joué. Ce fait que personne ne prend réellement l'avantage. Même si là, vous le voyez quand même, Daichi 123 de pop. S'il arrive à choper la B3 là, il va commencer à être vraiment bien. Donc ouais, avantage à Daichi quand même. C'est nettoyé par le joueur Terran. Spatioport qui est posé pour venir densifier en Medivac. Et l'affrontement qui va avoir lieu, non, Daichi contre Lilbo. Les force fields qui sont envoyés. Et Lilbo qui tente de séparer l'armée de son adversaire. Oh le là tank là 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 qui mate joli force field. Ouais, t'as vu un peu, il a fait une double paroi, mon gars. C'est un truc de dingue. C'est fait qu'au final, Daichi a forcé parce qu'il savait qu'il avait plus. Mais il a tellement bien coupé en deux l'armée qu'au final, il a tout juste assez là. Il faut qu'il attende au moins deux medivacs parce qu'il a plus de vie. On a le blink ici si on veut shaper du tank. Au niveau de la vision. Là, Lilbo Daichi vient voit... de perdre son avantage en termes d'armes. Excuse-moi de t'avoir coupé, poulet, mais c'est important de le dire. Là, c'est quand même la merde. Non, un bel engagement de la part de Lilbo. Les force fields qui ont fait mal. Et les force fields sur les tanks. Les tanks qui ne s'en iront nulle part et qui sont du mauvais côté, j'ai envie de dire, de la barrière.
Et regardez encore une fois le Marine Maraudeur hein, qui a du mal à trouver un angle d'attaque sur la droite. Et du coup, des îlots qui arrivent. Et les îlots qui vont être charges dans moins de 10 secondes. Ah, les îlots qui charges qui vont avoir un sérieux boost au niveau des papates. Et la contre-attaque est envoyée. Car qui les ont gênés. Excellent, attention, Lilbo qui veut partir sur le 2-0, la direct. On est à 105 de pop contre 113. Yo, petite mine. La B3 qui a été posée par le joueur Protoss. Il est en train non seulement de gagner du temps pour cette B3 et pour maximiser l'avantage. Oh là, stylé ce petit move, mon gars. Et il va. Ici. Et il va directement dans la main pour choper ce qu'il y a à choper, en tout cas densifier l'activité et diviser l'armée de Daichi. Daichi qui est sous pression là, en mode vénère. Attention, là, l'erreur de Lilbo. Bien joué de la part de Daichi qui chope 2-3 stalkers là-dessus. Trop proche de la pente, tu es. Et directement 5 gates qui sont envoyés dans la B3 de Lilbo. On a besoin de beaucoup plus de renforts. On n'a pas de dégâts de zone. Il faut envoyer la sauce, pas plus tard que maintenant. Ah, c'est bien fait. Les pilotes qui sont rentrés au contact et qui vont un peu faire le taf, Anos. Ah, vite fait, là c'est un petit empalage. Mais hein. Voilà, on c'est reste bien fait. Sur de l'empalette sur, sur cette dernière faille. Ah bah pour prendre Daichi aussi hein, sur sa base, sur sa B2, alors qu'il a une mine, alors qu'il a un bunker, alors qu'il est prêt à tout ça, forcément il a ses medivac, il a son armée qui arrive plus rapidement. C'était risqué et tant mieux hein, pour la Daich. Ça lui a permis de récupérer un peu son avantage qui s'est, il a un peu donné sur les force field. Et du coup maintenant c'est comment ça s'appelle, c'est Lilbo qui a donné. Ceci étant, rappelez-vous que Lilbo lui il est sur 3 bases, ce qui n'est pas encore le cas de la Daich. Bah, c'est aussi ça la attention, grosse diff, hein. Après au niveau technologique on est quand même bien à la ramasse. On a bien l'archive des Templiers qui est popée. Et heureusement, parce que là depuis tout à l'heure on est sur de la gate unit, ouais. Comme diraient nos amis transatlantiques. C'est ça. Et contre le Steam, il y a un moment et où c'est ouais. pas grand chose. Hein. Tu peux faire plein d'îlots, c'est drôle. Alors, je dis pas que c'est pas drôle de voir une bioball reculer jusqu'au bout de la map, mais tu n'auras peut-être pas la win. Là on a dû acheter, on n'a pas encore le storm, on n'a pas d'archon, du coup l'acheter qui ne sert à rien. C'est ça, et Daichi qui en profite, qui fonce dans le taille sans que c'est fait tout ça, c'est transformé en archon. Daichi qui tape, il a ses petites mines aussi qui va pouvoir Burrow dans le tas. On va bien jouer le petit répercussion là quand même. Beaucoup de zealots charge qui font reculer justement l'armée du joueur Terran jusqu'au bout du monde. Les mines qui connectent et qui font super mal sur la retraite de Daichi. Ouais, mass zealots qui sont warpés. Ouais, là, il va peut-être pouvoir absorber les zealots, quoique hein, derrière il y a encore les archons. On va avoir le storm, Anos. Le storm dans moins de 3. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier storm? Ouais, l'archon qui a pas assez d'énergie, je crois. Attention, les workers qui sont lancés pour Daichi. Pour essayer un peu de tanker tout ça, quitte à donner un peu de worker, il en a 74, il peut en donner 5-6, il y a zéro problème là-dedans, c'est très bien joué de sa part. Et ça va contrer, c'est chaud, Lilbo qui a 20 pop de moins ici, mais qui a maintenant des archons, plus que 10 secondes pour avoir le storm ici. Temps de jeu, ça se fait, de temporiser 10 secondes. Et Daichi qui va décider de back pour le moment, qui attend son plus de d'attaque et plus de défense pour Unleash the Kraken sur le visage de Lilbo. Mais en face, on a le Storm. Fais voir ton split, Daichi. Ouais, mais là, Daichi fait le bon move. Il arrête de pousser. Il sent qu'en flux continue, ça marche pas depuis tout à l'heure. Ici, attends, on va le prendre sur la réception. Et on va le bourrer. Attention à Lilbo de passant. Allez là-dessus. La concave. Magnifique, très belle Storm. Envoyé par Lilbo qui vient de calmer totalement la concave. Du coup, concave qui continue mais qui tape pas trop. Ouais, les Storm qui matchent pas. Joli split de la part de Daichi ici. Ça transforme direct en archon. On voit que ça commence à partir en cacahuète. Oh Daichi qui défend. Mais sur le front nord là, il va totalement tout absorber. Daichi, les îlots qui perdent un peu de temps ici sur le bunker. C'est bien joué peut-être. Oh, même pas besoin de sortir des workers, il lui reste encore une tête de vol derrière. Et là, Daichi qui a bien absorbé les coups, mon poulet. Le 2-2 qui va se terminer. Si on fait un point sur les upgrades, on sera 2-2 contre juste 1-2 défense. Là, Daichi, mes amis, il a une fenêtre, il a une véranda là, ce stade. Il a une véranda, mon gars. Faut qu'il la défonce. Parce que c'est maintenant. Fait sortir la Gatling à skill. C'est ça. Et dû acheter ici en pleine méditation, en plein jogging au milieu de Yeonsu, en train de récupérer plus de mana pour plus de dévastation. Mais est-ce qu'ils auront le temps de suffisamment méditer? Daichi qui est là pour le kill. C'est ça, et puis là c'est bien fait, une petite troupette en première ligne. Bon voilà, vas-y Storm là-dessus, on a que 3-4, le gros est derrière. Oh Daichi qu'on voit ses workers. Eh mais ça c'est bien joué hein, parce que de toute façon il en a un peu trop, il est bien là à l'écho. Faut y aller, la sortie totalement mauvaise de Lilbo. Il envoie les Storm. On coupe les Storm combien. Les Storm combien matché. Triple drop de la part de Daichi dans la main de Lilbo. Lilbo qui est en galère mais qui remporte la fight au milieu. Ah, il s'en sort plutôt bien, Daichi qui est forcé le micro.
Du coup, au nord, c'est un peu plus compliqué. Il envoie la sauce sur le pylône ici, prend le choix de back pour pouvoir plus se concentrer sur ce qui se passe au nord. Ah, il est en train de se faire saper ici. Ça, c'est beau. Lilbo qui prend au niveau de sa main ici, deux mines qui vont continuer à connecter, 8 kills et 1 kill pour celle-là, les mines qui auraient été décisives dans ce match. Et il n'y a plus l'électricité sur ces gates. Coupure. Ah, du coup, regardez la force qui s'arrête, le plus 2 qui risque de ne jamais arriver. Beaucoup de probes ici qui sont interceptés. Et deux archons quand même qui viennent de calmer un peu. Du coup, Daichi qui préfère aller taper la B2. Ah là là, ça fait mal pour Lilbo. Lilbo qui est sous pression là et qui va pas tarder à lâcher le GG. Deux fois plus de population pour le joueur Terran qui, sur une fight un et un double et un triple drop, vient quand même salement récupérer les cadeaux dans la hotte au Père Noël. Quoi. Clairement. Il a récupéré combien? 30 VCS. On a 44 collecteurs pour le joueur Protoss, pour 55 pour Daichi. Donc Daichi, même en ayant donné tous ses... attention, pendant qu'on a le drop ici, qui reprend, même en ayant donné pas mal de worker, un autre drop. Ah non, c'est juste une mine ici. Le drop ici qui continue. Vous voyez qu'il a toujours l'avantage économique, il a l'avantage des upgrades. Là, il a beaucoup de choses pour lui. Il n'y a pas de Colossus en cours. La Manœur Mule. Allez, la Manœur Mule. Qui veut dire game over. Ah, hein, bouge de là. Ouais. C'est un GG agressif. C'est une reprise d'MC Solar. Attention ici. Un petit pylône qu'on va essayer de finir pour la fin. Les îlots qui s'excitent un peu. Une mine ici qui vient de reclaquer son tir. Elle a 12 kills cette mine. Il va falloir bientôt la détendre. Une mine ici aussi qui a tapé. Et on est à 183 pour 91 de pop. Alivo qui va pour la fin. Oh là là, oh. Mais pas cette bioball. Oh merde, il y a beaucoup trop. 179 de population pour être précis. Daichi qui déroule et qui split dans tous les sens. La concave. Voilà mon gars. Allez, la concave Firecake mon gars. Non, c'est un 360. GG. Un partout. Énorme game. Très belle game. Alors j'espère que vous avez kiffé. Du très très... tout le monde a vu les moves, hein, concrètement. Très clairement. Du très très lourd. On a un partout, les amis. On va donc se faire une petite pause. On va aller jouer, laisser les joueurs se remettre un peu de leurs émotions. On peut voir là, par exemple, que Lilbo... 5 minutes de pause, on dit. On peut voir, par exemple, que Lilbo, là, a moins la nonchalance dont je vous parlais. Là, c'est un peu plus concentré, voilà. Comment ça, un partout? Donc, très bien joué. On se fait une petite pause, les amis. On espère que vous prenez autant de plaisir que nous à regarder ces très belles games. Et on vous dit à tout de suite.